Ils sont là. Oui, ils arrivent. Mais comment vous êtes en prière, les enfants? Venez pousser ici. Comment lui s'appelle, lui, comme lui, là? En rouge, là. Je ne le vois pas bien. Comment tu t'appelles? C'est Bata Sevi. Hein? Bata Sevi Jano. Tu viens d'où? Bon, il vient d'Abidjan. Qui t'a envoyé là? C'est mon père et ma mère. C'est toi qui. C'est toi, sorcier, qui détruis la vie du pasteur Kofi là, c'est toi? Oui. Hein? C'était moi. C'était toi comment? C'est toi ou c'était toi? C'est en revenant, je vois, mais c'est, tu es mort, tu dis c'était moi. Pourquoi tu veux se passer? C'est toi ou c'est pas toi? Hein? Mmh. Hein? Ouais, c'est moi, Robert. Toi, tu es sorcier, tu viens de tuer la vie des pasteurs. Hein? Hé! Hey, faut parler! Ça fait combien de temps que tu es là? Ça fait 7 mois d'ici là. C'est énorme! Faut qu'on règle ça, pour régler tout ça. Parce que ici, il n'est pas fait pour que les gens restent longtemps, surtout les jeunes hommes. Parce que pour nous, il faut que tu partes à l'école. C'est important pour nous. Voilà. Tu as gâté la vie du pasteur? Oui. Comment tu appelles? Ah, tu ne veux pas parler, tu quittes les chambres de travail. Hein? Comment tu as gâté la vie du pasteur? Un jour là, c'est. Bon. Coupez les téléphones portables, Ndiabo. Les téléphones qui font bruit là. Mais c'est coupé, mettez ça sur silence. Oui, comment tu as gardé la vie du pasteur? Il y avait un pouvoir. Et puis des poudres. Hein? Poudre. Tu as poudre. Pour ça, quoi. Tu bègues, c'est ça? Il bègue. Oui. Hein? Oui, il bègue. Oui. Tu bègues. Il bègue très gravement, non? Il bègue. Tu prends pas sur celui là pour guérir ça. Tu as quoi? Tu as dit quoi encore? Essayez de l'aider. Un jour, j'avais poudre. Oui. Je ne comprends pas si tu te poudres, ça veut dire quoi? Il y a plein de poudres. Tu as quoi? Tu avais quoi pour que tu faisais comme? J'avais poudre noire. Il dit qu'il avait une poudre noire. Non, non, attends. Toi, il jouait avec moi, quoi. Poudre noire. N'a qu'à expliquer ce qu'il veut dire. N'a qu'à m'expliquer ça. Qu'est-ce qu'il avait dit? Poudre noire, c'est quoi? C'est sorcellerie. Il faisait quoi ça? Qui va qui me dit ça? Mais quand il dit poudre, poudre, poudre noire, ça tu me perds le temps. Je veux parler quand tu parles ici. Bien parler. Ah, je détruis. Disais quoi? Hein? Il dit quoi? Je dis, j'ai détruisé avec. Tu sais quoi? Je dis, il prenait la poudre là pour détruire. C'est ce qu'il a pris pour détruire la vie du pasteur. Il a levé ça où? Il a levé ça où? Dans le monde de la sorcellerie. Tout envoyé là-bas.
Moi, c'est la seule chose qui choisit là-bas. Pourquoi tu vas dans le monde là et puis c'est la seule chose qui choisit? Tu ne sais pas bien parler. Pourquoi tu ne choisis pas parole? Puis tu ne choisis pas intelligence pour aller fabriquer avion ou bateau. Tu es plus noir, tu as vu là-bas. Pourquoi tu es mal, tu es comme ça? Pourquoi c'est la seule chose que tu choisis là-bas? Hein? C'est à toi de parler. Tu parles pas? Comment tu t'es retrouvé là-bas? Bon, le petit capot, c'est qui? Je ne suis plus pas le temps. Tu as donné ton nom, dis c'est qui? Je m'appelle Conan Yaopange Emmanuel. Oui, mais depuis quand tu es là? Je suis venu en masse. Qui t'a envoyé là? Je suis venu avec mon papa et maman. Et ils sont où? Mon père est parti, c'est maman qui est ici. Elle est où? Comme on a montré. Quand tu vas dans l'oreille de sorcellerie, c'est la chose, c'est la poudre là-bas qu'elle a, c'est la poudre seulement qu'elle a. Hein? Madame, bonsoir. Bonsoir. C'est votre enfant? Oui, papa. Il fait quoi là? Pourquoi depuis mars il est là? Il était sorcier. Il était venu faire la délivrance. Mais vous savez qu'on est en septembre, non? Oui, papa. Mais pourquoi vous êtes encore là? Il a mis ses deux. Il a mis ses deux frères dans son sonnerie, donc c'est maintenant la fête pour la délivrance. Depuis mars, c'est maintenant la délivrance. Pourquoi? Il ne veut pas parler. Petit, ça va? Yeah. Tu es sorcier? Yeah. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai gâté la vie de mes parents. En quoi faisant? J'ai gâté leur argent. Le pasteur Serge, tu as prié pour lui? Oui, au revoir. Qu'est-ce que vous pensez de son avenir, madame? Il est en septembre, il faut qu'il parte à l'école. Vous dites quoi? Je veux qu'il n'a qu'à rester ici pour aller à l'école. Mais pourquoi? Pourquoi tu veux qu'il reste là-bas? Ici n'est pas un point de pourquoi? Pourquoi vous voyez comme ça? Tu as vu le gouvernement nous envoyer l'argent pour mettre les enfants à l'école? Pourquoi c'est nous qui devons prendre la responsabilité d'éduquer tes enfants? Pourquoi? Ça ne se fait pas comme ça. Hein? Donc vous êtes resté expressément pour qu'on mette les enfants à l'école. Où est l'argent? Où est l'argent pour mettre les enfants à l'école? Papa, il n'y a pas l'argent. Il allait à l'école, non? Oui, il partait à l'école. Tu dis quoi? Son papa dit qu'il va envoyer l'argent, il le mettre à l'école. Mais c'est moi qui suis le responsable là-bas. Voilà, donc vous ne décidez pas à ma place. S'il est délivré, vous repartez avec lui, vous le mettez à l'école, d'accord? Vous m'avez écouté? Madame? Oui, papa. Vous m'avez écouté? Oui, papa. Est-ce que moi, je suis saisi? Oui, papa. Voilà. Il faut que vous le ramenez à l'école. Il faut que nous, on a fait notre part. On a fait notre part, c'est de prier pour lui. Et vous, votre responsabilité, c'est de l'envoyer à l'école. Donc, vous le ramenez à l'école. D'ici lundi, je ne vais pas où je veux. J'essaie d'être le pasteur prier. D'ici lundi, répartez, cherchez une école et mettez-le à l'école. On m'a dit saisi. Ça
Papa, je veux que vous l'avez aidé, il va rester ici, il va fréquenter. Je t'ai aidé comment? Je vais mettre à l'école. J'ai l'argent. Non, réponds-moi, j'ai l'argent. Non, papa. Est-ce que tu sais comment on paye la maison? Moi, je n'ai pas l'argent. Voilà, je n'ai pas l'argent. J'ai déjà des responsabilités. Oui, c'est la rentrée. J'ai des enfants là-bas. Même l'État, je n'ai pas encore reçu, je ne reçois même pas de subventions. Donc, je ne peux pas venir me créer des problèmes. Voilà. Tu comprends? Quand on met un enfant, moi, excuse, ce n'est pas d'injuste. Tu peux prendre tes responsabilités en main. Tu comprends? Il faut prendre tes responsabilités. On ne peut pas. Si on pouvait, on pouvait le faire, mais on ne peut pas. On est limité parce qu'on ne peut pas maintenant. On ne peut pas prendre cette responsabilité sur nous. Voilà. Donc tu comptais sur nous pour l'école. Comment tu penses que nous, on vient délivrer tes enfants et puis chez nous, on nous met à l'école? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi on a cette mentalité, nous les Noirs? On t'aide, on délivre l'enfant, on n'a pas le prendre encore à l'envoyer à l'école. Où est l'argent? Hein? Ok, donc allez vous asseoir. Vous avez bien servi ce que j'ai dit lundi. Vous repartez avec lui et vous le mettez à l'école. Celui qui a côté là, c'est qui? Je m'appelle Awato Henri Jouet. Hein? Je me nomme Awato Henri Jouet. Vous êtes? Awato Henri Jouet. Quoi? Awato Henri Jouet. Tu es là, tu es avec qui? Pourquoi? J'étais venu à maman et puis elle est repartie. Et t'as laissé comme ça? Oui. Pourquoi elle te laisse seule? Elle est partie, elle est revenue, mais depuis qu'elle est partie, elle n'est pas revenue. Parce que sais-je? Papa. Tu as le contact de sa maman? Non, je n'ai pas ce contact. Mais moi, je ne suis même pas au courant que l'enfant est là. Un enfant est là. Il est là depuis quand? Ça vaut plus d'un an. Hein. Plus d'un an? Depuis l'année passée. Depuis l'année passée. C'est lui qui s'occupait des moutons. Quand vous étiez là. Je n'ai pas dit, il fait quoi là? Moi, je ne le connais pas. Voilà, je ne le connais pas. Et puis, les enfants ne peuvent pas faire plus de. C'est la rentrée. Pourquoi ils posent des questions? Comme si je savais, généralement, les gens, ils viennent, ils jettent les enfants. Voilà, ils s'en vont. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a mis un orphelinat en place là-bas. Mais nous sommes limités. On ne peut pas prendre tous les enfants en charge. Ce n'est pas possible. Voilà, donc il faut ce cas-là, on va régler ça. Parce que c'est pas bon. Aujourd'hui, là, l'enfant est resté là. Si je touche du bois, s'il y a un problème, c'est tout. Hein. Parce que l'homme, il est méchant. Les gens, ils ne peuvent pas reconnaître demain le bienfait. Voilà, et son avenir nous préoccupe. Tu ne dois pas, tu n'es pas un berger. L'école est là pour ça. Ok. Donc, il faut me mettre le dossier sur ma table pour qu'on règle le problème rapidement. L'enfant qui revoit l'école. D'accord. Voilà. Monsieur l'invité du pasteur, comment t'appelles? C'est Abata Sévi. Hein? Où est ta poudre noire? Tu partais à l'école? Ah oui. Il dit oui. D'accord. On va régler ce problème. Va t'asseoir. Il faut qu'on règle le problème, on prie pour toi. Parce que je sais que tu n'es pas délivré. Mais je vais m'occuper de ça. Lui, c'est qui? Comment il s'appelle? Je m'appelle Oupo Charles André Joshua. Hein? Je m'appelle Oupo Charles André Joshua. Oui, Joshua. Ben, tu fais quoi là? T'es venu type ma délivrance. Hein? Je suis venu type ma délivrance. T'es venu avec qui? Et maman. Elle est où? C'est aujourd'hui, elle vient de partir. Et pourquoi elle t'a laissé? Je
pour que je gagne une vie de prière. Ah, donc chez nous, là, il y a une vie de prière. Bon, tu manges comment? Elle envoie l'argent. Hein? Elle envoie l'argent. Voilà, donc ça veut dire que le pasteur a son contact. Il va avoir son contact. Ok, il faut me l'appeler d'urgence. Il faut qu'elle soit là jeudi. Oui. Voilà, je vais parler avec elle parce que c'est pas l'enfant n'est pas un pasteur. L'enfant n'est pas un pasteur. Il ne peut pas à ce âge-là rester dans ce centre. Il doit retourner le regagner le camp. Tu as compris ce que j'ai dit? Oui, j'ai compris. Voilà, il faut qu'elle vienne d'urgence et puis qu'on règle ça. D'accord. Ce que j'ai dit là, toi qui dois m'amener tous les dossiers sur ma table. D'accord. Donc, voilà, il faut qu'il reparte à l'école. D'accord. Petit, comment t'appelles? Charles-André Joshua. Voilà, André, Charles, il faut que tu partes à l'école, tu as compris? Ouais. Voilà, ta place n'est pas au centre, c'est ta place à l'école, il faut que tu partes fréquenter. D'accord? Ouais. Ok, va t'asseoir. Le jour où Dieu t'appellera, ça dépend de lui, mais nous on veut des gens pour développer la Côte d'Ivoire. Bien petit, vous voyez, c'est comme si je savais. Voilà, c'est comme si je savais. C'est comme ça, hein? C'est comme ça tout le temps. Maintenant, c'est la rentrée scolaire, il faut qu'on envoie les enfants à l'école, il faut encourager les gens à aller à l'école. Vous les prenez, vous venez faire un débarras chez nous. Comment les enfants peuvent grandir dans ce milieu-là? Ils cherchent quoi? Ce n'est pas des pasteurs. Les enfants, ce n'est pas des pasteurs. Mais à cause de tout ça, hein, Dieu m'a mis à cœur, parce que les Africains, ils savent mettre les enfants, bon, ils ne savent pas prendre en charge les enfants, ils ne savent pas s'occuper d'eux, ils ne savent pas bon. Vous venez, on prie pour les enfants, vous les laissez là. Hein? Vous les laissez au milieu des trucs. Comment ils vont grandir? Ils vont grandir comment? Leur place à l'école. Oui, petit. Il m'appelle Angélos Oblak. Oui. Je suis venu ici pour ma délivrance. Donc, ils t'ont délivré, non? Oui, voilà. Et t'es venu avec qui? Avec ma maman. Elle est où? Elle est partie à Vienne. Depuis quand? Après ma délivrance, elle est partie. Tu es là? Il est là depuis quand? Bon, il est là, ça fait maintenant 2 mois et demi. Mais je ne suis pas au courant de tout ça. Ah. Et ses parents disent quoi? Elle sera là la semaine prochaine. Mais il est délivré là, pourquoi il est resté là? Bon, c'est même chose comme le petit a dit qu'il va reprendre une vie de prière. Et puis toi, tu laisses ça comme ça? Ok. Il faut que sa mère soit là, je dis. D'accord, bah. Ouais. Qu'est-ce que tu appelles, petit? Je m'appelle Languish Octave. Hein? Languish Octave. Où ta bouche t'a parlé? Languish. Tu es en quelle classe? Je suis au CM2. Tu es au CM2? Tu passes au CM2 ou tu reprends le CM2? Je passe au CM2. Très bien. Mais tu vas, il faut que tu ne viennes pas à l'école. D'accord? Oui, voilà. Hein? Tu as compris? Oui, voilà. Voilà, parce que ta place, c'est l'école. D'accord? On va appeler tes parents, on va parler avec eux. Et donc, il faut qu'ils te mettent à l'école. OK? Oui, voilà. OK. Attention. Il n'y a pas un autre enfant grand ou tout ça? Quel autre parent laisse? Marie, hein? Ça va là-bas? Ça va, Digo? Et là-bas, ça va ici. Bon, ça va pas. Et il est là. Comme tu sais, moi, là. Il vient te mettre dans mes narines. Tout ça. Tout ça, c'est un peu là-bas. C'est quoi, Gabriel? Je m'appelle Mariam de Fortes. Qui t'envoie? C'est mon papa. Il est où? Il est à Abidjan. Et tu es là pour quoi? Je suis là pour ma délivrance. Papa a prié pour moi. Dis-moi, elle est partie. Il va pas. Tu es là depuis quoi? 2 mois. Tu fréquentes? Il va pas. Tu es en quelle classe? Quatre, il passe en 4e. Alors, donc tu fais quoi là?
Papa, tu dis. Tu fais quoi là? Tu es encore là pour quoi? Parce que c'est la rentrée. Papa, mon père dit qu'il va venir me chercher. Il va venir te chercher. Il va pas. Ok. Parce que Serge. Papa. Voilà, il faut l'appeler immédiatement. Il faut qu'il soit là. Tout ça, il faut qu'il y ait cette semaine. D'accord, papa. Il faut repartir à l'école, d'accord? D'accord, papa. Voilà, il faut repartir à l'école. Mais l'enfant de M. Serge est là. David, là où? Non. Toi, tu dépasses tout le monde, mais les gens sont assis. Tu dépasses tout le monde dans la salle. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Siri Jean-Prince David. Siri Jean-Prince David. Tu es là depuis quand? Je suis là, ça fait un an et demi maintenant. Un an et demi. Oui. Si c'est pas la dernière fois, moi je savais pas. Je te l'ai même dit, si c'est pas la dernière fois, je savais pas, c'est parce que le pasteur t'a envoyé et je cherchais à savoir. Il m'a parlé de toi et c'est important. Il faut que tu. Il me semble que ton père est venu. Oui, il est venu. Il est reparti. Oui, il est reparti. Bon, il faut l'appeler. S'il vient, il n'a qu'à dormir dimanche, samedi prochain. Il n'a qu'à dormir, d'accord? Oui. Comme ça, on va régler ça. Comme ça, on aura tout le temps de régler ton problème. D'accord. Voilà, parce que c'est important. J'ai envie d'aller à l'école, non? Bien sûr. Oui. Il faut que ton père, qu'il arrive, il faut l'appeler, qu'il ait aussi du temps. On a pris quand même le temps de t'héberger, ce voilà. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Tu manges bien, non? Comment? Tu manges bien. Tu manges quand même bien. Bon, on peut dire ça. Tu voulais manger pizza ou bien? Bon, pas pizza, mais souvent le coup me manque un peu. Tu n'envoies pas l'argent. Si, il m'envoie l'argent. Mais tu ne fais pas le coup, d'accord, le coup, tu t'as dit. Moi, tu ne sors pas. Bon, pas trop. Hein? Donne à Chantal, dis à Chantal, pardon, quand j'étais banane de ça, c'est beaucoup qu'on balance de ça, c'est beaucoup. D'accord. Angèle. Elle arrive. Vous me dites, le gars rendait la nostalgie dans le cou. Et tu l'as dit, Maya, le cou, hein? Hein? 100 francs, Anna, tu connais, hein? À Dibé, comment c'est? Moi, mais depuis un an et demi, ça va. On t'a hébergé, tout ça. C'est parce que tu es à l'aise, justement, qu'on n'a pas encore attendu ton problème. On a dit, tout ça. Mais le problème, mon souci, c'est que il faut qu'on prie pour toi et qu'on révèle ta situation spirituelle, d'accord? D'accord. Voilà, et que ton père qui est venu tout à l'heure, qui est reparti, et que s'il vient la prochaine fois, il faut qu'il reste une fois seulement une bébé, et que lui et nous on discute. Voilà, parce qu'on a besoin de te prendre, on a besoin de parler avec lui de ton avenir, parce que ton avenir aussi est important. Voilà. Le centre accueille les gens pour la prière. Le centre, c'est pas un lieu d'éducation, c'est un lieu de délivrance. Voilà, donc votre avenir, c'est la rentrée scolaire. Je fais l'état des lieux. Je suis en train de voir. Quels sont ceux qui ne sont pas encore allés à l'école et la raison, le pourquoi ils ne sont pas encore allés à l'école, afin de pouvoir me pencher rapidement sur la situation, parce que ça arrive pas de votre avenir. Voilà, si on a prié pour vous, votre avenir, c'est important. Le petit dit, viens manger. On t'a envoyé les bling-bling. Comment? Les bling-bling, ça vient souvent, non? Oui, ça vient souvent. Ouais, tu as compris mon français, c'est français, il voyait blême. Toi, les blême, je peux donner ça à Chantal. À ton appel, là, Angèle. 100 francs, banane. Mon adolu, là-bas, il peut crier. Je te donne l'autorisation, on n'a qu'à payer si tu veux même. Et régime, là, donne lui là, manger. Voilà, donc, ta passion nous intéresse pour que tu regagnes. Parce que c'est important. C'est important, tu respectes un an et demi. Tu vois déjà, quand j'étais là-bas, tu étais là. Ça veut dire que tout ce temps-là, tu n'es pas encore parti.
Et toi, je ne savais pas. Et on doit régler certaines choses par la grâce de Dieu. Fait que ton père vienne ce week-end-là, pour qu'on puisse se pencher sur ta situation, qu'on puisse prier, régler certaines choses et que tu regagnes le chemin de l'école. Amen. Ouais, bonne façon. Il n'y a plus d'autre chose. Voyez vos enfants. Pour des prières, des centres de prière, vous devez comprendre que le centre de prière, c'est un centre de prière. Pas un, c'est pas une pouponnière. Désolé de m'exprimer comme ça. C'est pas un endroit où on doit laisser un enfant définitivement. Désolé, c'est pas un endroit où on doit laisser l'enfant définitivement. C'est un endroit, un centre de prière, mais les enfants doivent regagner le chemin de l'école. Voilà, c'est important. Ils ne soyez pas à la base de leur malheur, les parents. Ne soyez pas à la base de leur malheur. Après la prière, bien sûr, il y a la bénédiction. Voilà. Il faut que les enfants reprennent le chemin de l'école. Aujourd'hui, en septembre, c'est la rentrée scolaire. Et donc, c'est vraiment important pour moi. Comme si je savais, et comme chaque rentrée scolaire me confrontait à ça, et je savais plus ou moins qu'on devait avoir ce genre de situation. C'est pour ça que j'ai, par la grâce de Dieu, je m'ai mis dans la tête rapidement. Ça ne faisait pas partie de mon programme, mais tout à l'heure, je me suis mis dans la tête pour comprendre déjà quels sont ces enfants qui sont là, été abandonnés par leurs parents. Voilà, été abandonnés par leurs parents. Déjà, la situation du petit là, dont la maman n'a pas de contact et l'enfant est là, c'est inquiétant pour nous. C'est-à-dire, ça nous inquiète. Quel devient dans l'avenir? Voilà, c'est la même chose que l'autre a vécu, François. Voilà, sauf pas que par moment, si vous voyez qu'on fait des choses, ce n'est pas parce qu'on a l'argent. Je voyais la dame là s'exprimer. Il faut que moi je l'aide. Mais regardez comment la dame elle parle. Non, je vais l'aider à envoyer son enfant à l'école. Mais de toi, moi qui veux aider son elle doit aider son camarade. Voilà, donc désolé de m'exprimer comme ça, mais il ne faut pas voir ça comme ça. On a déjà apporté l'aide qu'il faut, c'est la prière. On a déjà apporté l'aide. S'il faudrait qu'on envoie à l'école, c'est les moyens. Demain, c'est toi qui as dit, le prophète n'est pas. Moi, je ne suis pas là pour. On a fait la fondation. On a un minimum d'enfants là-bas qu'on doit encadrer. Pour le moment, on n'a pas encore trop de moyens pour accueillir encore d'autres enfants. Le peu qu'on a déjà, on n'a même pas de moyens, on n'a pas de subventions. On compte sur la grâce de Dieu pour les aider. Donc, ne venez pas encore, n'est-ce pas, nous envoyer encore d'autres charges. Voilà, des grâces. N'ayez pas dans votre tête. Si je l'envoie là-bas, j'ai une jeune soeur qui a fréquenté le centre. Il m'a écrit, elle dit, papa, je vais envoyer l'enfant chez toi et tu vas l'éduquer. Je lui dis, mais qu'est son père? Elle dit, son papa, elle a dit, mais envoie-le chez son papa. Elle dit, non, c'est toi qui dois l'éduquer. Je lui dis, mais ma fille, tu vois, non, si je parle, tu as dit, le prophète parle mal. Moi, je ne suis même pas là. Il faut qu'il reste au centre. Il doit rester au centre comment? Non, il y a l'orphelinat. Je lui dis, mais si je t'explique. Les soucis de l'orphelinat aujourd'hui. La fondation, là, tu vas me dire, tu n'as pas parlé avec moi. Tu vas me dire, pardon, c'est bon. On a trop de soucis. Voilà. On l'a fait pour aider les gens, pour aider les enfants en difficulté. On l'a fait. Mais nous sommes limités. Voilà. Nous sommes limités. On ne peut pas prendre avancer tout le monde à la fois. On a des soucis. Les grâces, quand vous venez à vos enfants, à la prière, donnons-nous cette possibilité-là. Je pourrais les aider à faire. Amen.